Salut! Il a neigé à Flores Divina! Youhou! Alors, si tu as la chance d'avoir de la neige, il faut en profiter parce que c'est vraiment un super truc. Ça renforce tout le système, ça renforce le système sanguin, le système immunitaire, le système nerveux, le système lymphatique. Ça active tout et ça donne la pêche dans le corps et dans la tête. Alors, évidemment, si tu n'as pas l'habitude, il faut y aller doucement. Alors, tu commences par un orteil, puis deux orteils, puis un pied, etc. Au fil des jours, tu vas voir que tu vas de plus en plus y trouver du plaisir. Donc, je t'invite à y aller. Alors, si tu as la chance d'avoir de la neige, profite-en. Sinon, tu peux te débrouiller avec un baquet d'eau que tu laisses dehors la nuit ou avec la douche froide dont j'ai déjà parlé. Enfin, vraiment, voilà, il est un peu gelé cette nuit, alors elle est, voilà, une petite friction de neige. Alors là aujourd'hui, pour la vidéo, j'ai gardé mon tricot, mon t-shirt, parce que ma maman s'inquiète, elle a peur que je prenne froid. Donc avec le t-shirt, ça va mieux. Mais sinon, quand je fais ça tout seul, sans vidéo, je suis absolument à poil le matin et le soir. Donc je fais ça deux fois par jour. Vraiment, je t'invite à y aller. Tu vas voir, c'est excellent. Alors, un truc fondamental, c'est l'ouverture de la cage thoracique. Il faut vraiment que les poumons fonctionnent à plein pour être à l'aise, pour profiter pleinement du froid. Le truc à éviter, c'est ça. Voilà. Et surtout pas grelotter non plus. Alors, dès que tu commences à avoir trop froid, que tu dépasses ta limite, vraiment, il faut aller te mettre au chaud, te couvrir, te sécher. Mais vraiment, ouvrir la cage thoracique. Alors là, je n'ai pas l'espace ici pour développer tout ça. Je te renvoie à ma formation en ligne sur la posture corporelle, 9 mois pour renaître, qui est vraiment le top du top, pour reprendre contact avec ton corps. Et tout de suite, un petit exercice de respiration, excellent. Donc le matin, je me fais mes petites frictions à ce moment. Bon, sinon, d'habitude, c'est la douche froide. Et puis ensuite, des exercices de respiration tonique, dynamique, et c'est bon pour la journée. Inspire en levant les bras à l'avant et en tendant les doigts. Inspire, relâche, expire. Et je inspire à nouveau derrière en ouvrant bien la cage thoracique et en tendant les doigts. Donc inspire, expire, inspire, etc. Donc l'expire, il est relâché, il est lorsque les bras passent au milieu, dans un sens ou dans l'autre. Ça réverbère un peu là, j'ai pas pris les lunettes de soleil, que je n'utilise jamais d'ailleurs. Et en vitesse réelle, ça va donner avec un petit jeu de jambes, on tend les bras et les jambes en même temps. Et voilà, elle n'est pas chouette la vie quand même. Youhou!